Lugo et Millau Tours faisaient étape pour la première fois dans le Var aujourd'hui, à l'hôtel du Castellet. Depuis 3 ans, le célèbre guide fait le tour des grandes villes de France et distribue ses prix Lugo et Millau d'or. Activité touristique oblige, la région PACA est une terre de prédilection pour les chefs cuisiniers. C'est en tout cas ce qu'estiment Lugo et Millau, qui chaque année y débusque de nouveaux talents. Vraiment notre objectif, c'est de découvrir des jeunes chefs, ce que nous appelons un peu en clin d'œil des bébés chefs, des chefs qui ont 25 ans, qui viennent de s'établir. Il y a un grand mouvement de modernité et d'innovation, et ce sont ces chefs que Lugo et Millau veut découvrir et faire découvrir au grand public. Exemple, cette jeune Toulonnaise, restauratrice expérimentée, mais installée à Toulon depuis seulement 3 mois. Elle a pris le risque de s'installer avec son compagnon qui n'est pas du tout du métier, mais qui est un passionné de vin. C'est une démarche qui, moi, me paraît naturelle. Et Lugo et Millau, on s'intéresse à ce qui est naturel, à ce qui est humain. Et cette aventure humaine nous plaît. Ce que fait Valérie, c'est une cuisine qui est très sentie. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle aime faire et c'est ce qu'elle aime manger aussi. Ce qui est très important parce que, vous savez, il y a des chefs qui ne goûtent pas leur cuisine. Valérie, elle goûte sa cuisine. Ça se sent. Lugo et Millau d'or a été décerné au chef de l'hôtel du Castellet. Au total, 5 Varois ont été distingués.